Salut les Caps, bienvenue sur Five Star Tarot. Merci Louisia Kebeili pour le 30. Ça me fait extrêmement plaisir, Louisia. Merci pour ton message et merci pour ta donation, Louisa. Lily Laboujotte, magnifique, j'adore. Merci pour les 50 E. Merci, ton nom, il est incroyable. Merci. Merci Lily pour les 50 E. Et merci pour ton joli message. Merci Lily. Lily et Louisia, merci. Merci Sylvie Cazobon pour les 21 E. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à toi Teddy Villaret. Merci pour les 25 E. Ça me fait extrêmement plaisir, Teddy. Merci Christelle Petit pour les 15 E, ça me fait super plaisir. Merci Chloé Damiani pour les 18. Et merci Irina, spasiba Irina Muklinina pour les 22. Merci Chloé. Tous ceux qui m'ont envoyé des donations, je vous remercie si vous m'avez déjà envoyé une donation. Merci à vous. Tu m'as fait rire, Irina, quand je t'ai dit que je voulais épouser une Russe, tu m'as dit excellent choix. Tu m'as dit excellent choix, même si nous ne sommes pas Russes, Ukrainiens ou Français, et que nous sommes humains avant tout, mais c'est le excellent choix qui m'a fait rire. C'est excellent choix, Jérôme. Vous me faites rire, vous les Russes. Mais c'est vrai, hein, je devrais épouser une femme russe, en fait. J'adore les Russes. J'adore les Russes, les femmes russes sont très très belles, mais aussi les hommes russes, je les aime aussi en fait. J'ai eu plusieurs maîtres dans ma vie, que ce soit au niveau philosophique, énergétique, dans plein de choses, dans les arts martiaux, mais et j'ai eu des grands maîtres russes. J'ai eu des grands maîtres russes. Donc Irina, j'ai énormément d'amour pour la Russie. Voilà. Donc merci Irina et merci à tous les autres, bien entendu. Bienvenue sur Five Star Tarot. D'ailleurs, je commence pas à ressembler un peu à un Ruskov avec la barbe là. Voilà Irina. T'es cancer Irina, je vais faire les cancers après. Ah oui, et il y a aussi Odette qui m'a demandé les béliers. Je vais faire les béliers aussi. Allez, c'est parti les Capricornes. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Cutting the deck for Capicaps. Les cartes ont envie de parler aujourd'hui. Mes guides, source, spirit, guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes Capricornes. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Capicaps. J'ai arrêté de lire pour le monde entier, mes amis. Je ne lis que pour ceux qui ont appuyé sur ce bouton-là et pour ceux qui me mettent des pouces bleus. Et si vous... Tous ceux qui me mettent des pouces, tous ceux qui appuient sur ce bouton, ce sont ceux qui se connectent avec moi. Et je ne fais des lectures que pour ces personnes. Et même si la guidance vous parle, je ne suis connecté qu'avec les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. J'ai arrêté de faire des guidances pour le monde entier. Et si vous voulez que quand il y a des prédictions et que ça se réalise pour vous, un bon moyen pour cela, c'est de se connecter avec son tarot reader. Et si vous voulez vous connecter avec moi, vous appuyez sur le bouton abonner ou alors vous me faites des commentaires. Mais ceux qui viennent ici juste pour consommer et qui pensent s'en tirer avec ça, laissez tomber. Je dis que je parle pas pour vous les Capricornes. Hein. Je sais que vous êtes ceux qui avaient fait Five Star Tarot, mais voilà, je tenais à être clair là-dessus. Et je sais que je ne parle pas pour vous, les Capricornes. Je sais que je ne parle pas pour vous, les Capricornes. Mais j'ai remarqué que en ce moment, au niveau des vidéos, quand je postais les vidéos, elles commençaient même pas que la vidéo elle avait le temps de commencer, que les pouces négatifs, ils arrivent. Donc ça,
C'est des personnes qui viennent juste semer de la haine et de la confusion. Et après, bien entendu, il y a les pouces positifs, il y a une balance qui se fait. Et après, bien entendu, je termine toujours à 95, 98, 99%. Mais généralement, les gens qui mettent des pouces négatifs, ils n'attendent même pas avant de mettre un pouce négatif. Et cela, que vous soyez déçu de la guidance ou pas, hein, vous avez le droit d'être déçu d'une guidance. Mais sachez que je ne fais des guidances que pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, sachez-le. Voilà. Allez les Capicaps, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est vous qui m'avez fait les Capicaps, hein. C'est vous qui avez fait 5 stars. Et je vous en remercie. C'est parti les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. L'énergie qui vous pousse, c'est l'énergie du monde. Donc, c'est la carte 21. C'est la fin du voyage du fou. Donc, c'est le changement vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ. Ça vient me dire que le fou vient de finir son voyage et qu'il va entamer un autre avec toutes les leçons qu'il a pu apprendre, mes amis, les Capricornes. Et vous, vous avez appris une grande leçon, les Capricornes, que vous allez laisser près de votre cœur avec le Ace of Swords ici et aussi une nouvelle passion. Donc, ça vient me dire que vous avez une nouvelle idée qui vient de naître. Et alors, sur le niveau pratique, vous avez vraiment appris énormément beaucoup, hein. Donc, ça vient me dire que vous vous êtes fait des armes et que vous avez appris à manier Excalibur. Donc, ça vient me dire que vous allez réclamer votre trône, vous allez retrouver votre souveraineté, vous allez pouvoir aussi décider, parce que la racine latine du mot décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses qui nous retiennent, des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont uniquement essentielles, mes amis Capricornes. Vous avez aussi le Page of Wands. Ça y est, je sens votre énergie qui m'enveloppe, les Capricornes. Je vous aime. I love you. Thank you. Et merci à tous ceux, les Crosswatchers qui regardent parce qu'ils ont le spirit Capricorne et qu'ils ont un minicum Capricorne dans le viseur. Vous êtes les bienvenus aussi, bien entendu. Et le Page of Wands, ça vient me dire qu'il y a quelque chose de nouveau là. Vous avez, il y a un truc, un petit sparkling qui vient d'éveiller votre curiosité. Ça, c'est au niveau de votre mental, mes amis Capricornes. Et pendant très longtemps, bien entendu, la source me rappelle que. Vous savez, la source, c'est un peu l'inverse du banquier. Un banquier vous passe un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut. Mais la source vous a offert un parapluie pour vous protéger du soleil, comme une ombrelle en fait, pour protéger votre peau du soleil et aussi pour vous protéger contre la pluie et aussi pour vous rassurer dans les moments difficiles. Et celle-ci, la source, n'a jamais enlevé ce parapluie. Donc elle a toujours été là pour vous protéger, elle a toujours été là pour vous guider. Le Four of Cups, c'est une réponse, c'est une porte de sortie qui vient vous être présentée. N'ignorez pas cette porte de sortie, mes amis Capricornes. La relation qui vient en face de vous, c'est une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui est passionné pour vous. C'est quelqu'un qui va éveiller votre curiosité et c'est quelqu'un qui va faire un super spectacle de pyrotechnique pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui va donner le maximum, maximum pour vous, mes amis Capricornes, exactement comme moi. Quand je donne le maximum pour vous, mes amis le Capricorne. Donc, c'est quelqu'un qui va faire le pan, qui va faire fake it until you make it. C'est quelqu'un qui va se donner les moyens de mettre ses plumes devant vous pour pouvoir vous attirer, mes amis Capricorne. Qui n'aura pas peur de votre froideur. Cette personne, elle est très posée, très stable dans sa tête. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui embodie l'image du divin masculin. C'est une personne qui est possiblement respectée, c'est aussi possiblement une personne qui est crainte, mais c'est une personne qui est respectée, mais c'est une bonne personne. C'est une bonne personne et c'est une personne qui en a dans le froc, mes amis Capricornes. Et c'est exactement ce qu'il vous faut, mes amis Capricornes. En tout cas, cette personne, elle a envie de stabilité avec vous. Elle a envie de gouverner tout un royaume avec vous. Donc, toutes mes impératrices, mes princesses et mes reines en devenir, le divin masculin, il est pour vous, il est au centre de votre reading. Et c'est vraiment ce que cette personne, c'est ce que cette personne ressent. Quand elle vous voit, les caps, c'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment envie de quelque chose d'extraordinaire avec vous, elle a envie d'un nouveau départ. L'innocent
ne peut être blessé, mais l'innocent ne blesse personne. Et l'innocent a aussi entamé un long voyage. Ça vient me dire que cette personne a envie d'entamer un long voyage avec vous. Ne refermez pas la porte à cette personne, mes amis Capricorne. Au niveau de la relation, vous avez énormément de sentiments l'un pour l'autre, mais vous ne parlez pas. En même temps, vous êtes tous les deux très matures émotionnellement et vous ressentez énormément les choses. Le Page of Pentacles me dit que vous avez l'intention, vous avez envie de vous manifester tous les deux et vous avez envie que ce soit une histoire très concrète, hein. Et ça vient me dire que tous les deux, vous avez aussi énormément d'expérience, que vous avez appris énormément de la vie et que vous êtes aussi occupé à vous réaliser dans le monde du matériel. Donc c'est assez exceptionnel. Bravo les Caps, génial. Je suis très content pour vous, vraiment. Pour terminer, Five of Pentacles, ça pourrait vouloir me dire aussi de ne pas prêter attention à ce que vous pourriez penser être des défauts de la part de cette personne, mais pour vous, ça pourrait être aussi de guérir en fait de la blessure d'abandon, de trahison. Vous savez, dans le Rider-Waite, en fait, les mendiants ont une petite cloche pour pouvoir avertir de leur passage. Ça veut dire en fait. Ça veut dire en fait exhuber son. Quand on est dans la misère, en fait, sa misère et tout ça. Et ça vient me dire que. On pourrait éventuellement, en vous regardant les Capricornes, s'imaginer que vous avez été blessé, mais j'ai l'impression que vous allez chérir. Non seulement vous n'allez pas essayer de dissimuler cette blessure, mais vous allez essayer de vous en servir comme atout, en fait, comme atout, comme expérience pour pouvoir rayonner. Et c'est ce qui vous amène inévitablement, mes amis Capricornes, à la force. À la force, à la réalisation de votre destin. Ça vient me dire que you guys will tame the beast. Ça vient me dire que vous allez apprivoiser la bête féroce qui est à l'intérieur et que vous êtes prêt pour un nouveau départ. Ça vient me dire que vous êtes déter et que vous êtes prêt pour un nouveau départ. Ça vient me parler de confiance. Ça vient me dire que vous allez faire confiance à cette personne qui est en train d'entrer dans votre vie. C'est pour ça que vous avez the world comme énergie qui vient vous pousser, mes amis Capricorne. Ça vient me dire que ça vient me parler aussi de réalisation, ça vient me parler de légèreté et ça vient me parler, ça vient me dire que vous allez sortir de l'insatisfaction et ça vient me dire que le fait en fait de partager, le fait de sortir, le fait d'échanger avec cette personne, ça vient me dire que vous allez sortir des contraintes du passé. J'entends le mot surf, peut-être que vous allez vous retrouver sur des grandes plages, je ne sais pas, là-bas au Osgore, Lacanau, je ne sais pas où est-ce que vous surfez là-bas au Canada, en Afrique peut-être à Jeffreys Bay, Richards Bay, Clough, toute mon enfance, peut-être que si jamais vous êtes, je ne sais pas moi, du côté de la Californie, dans ce cas, vous savez où aller surfer, mais si vous vous retrouvez peut-être du côté de Osgore et tout ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient dans la tête, hein, et je connais aucun. Ah, quoi que si, je suis con. Mais ça vient me dire que voilà, vous allez peut-être, ça va peut-être être aussi une aventure avec un surfeur, je ne sais pas, hein, c'était des images qui me venaient comme ça. Mais ça vient me dire que ce sera vraiment une nouvelle histoire, que vous allez échanger et qu'il y aura énormément de passion, qu'il y aura énormément de fun, qu'il y aura énormément de rigolade et qu'il y aura des moments très torrides, des moments sensuels et des moments puissants, des moments libérateurs. C'était un petit passage que je viens de ressentir comme ça. Et je vous avoue que ça me fait un peu bizarre, mais que ça me fait extrêmement plaisir quand même pour vous, mes amis Capricornes. J'ai presque envie de vous dire que je vous aime et que j'ai envie que vous puissiez vivre des moments comme ça. Donc je trouve ça assez extraordinaire. Et pour moi, vous le méritez, mes amis Capricorne. Pour moi, vous le méritez. Ça vient me dire que vous allez passer un nouveau monde. Ça vient me dire que vous avez conscience que la Terre est creuse, Telos, Agartha. Vous avez conscience que les Atlantes, les Sumériens, les Babyloniens ne sont pas très loin. Et vous avez conscience que ce ne sont pas les extraterrestres, mais bien les intraterrestres qui viennent nous rendre visite la plupart du temps. Et qu'au centre de la Terre, on peut passer, bien entendu, d'une dimension à une autre et d'une planète à une autre. Les guides me disent, arrête-toi là, les messages subliminaux, ça suffit. Mais ça vient me dire que vous le savez et que vous avez découvert une vérité, mes amis les Capricornes. Et ça vient me dire aussi que vous êtes en train de mettre le petit monde, le monde névrosé, le monde restreint derrière vous et que vous êtes en train de vous ouvrir un monde plein de nouvelles possibilités, mes amis Capricornes. Et ça, c'est vraiment fantastique. Le Ace of Swords, les Capricornes, ça vient me dire qu'en ce moment, encore une fois, vous êtes un peu peut-être sur la défensive, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses sont en train de se mettre en place dans votre esprit. Et ça vient me dire que vous êtes en train de trouver le courage, que vous avez énormément appris. Votre challenge, justement, c'est de démarrer cette nouvelle passion. Votre challenge, si vous voulez vraiment récupérer toutes les énergies de ce reading, enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ça, que ce n'est pas vous qui allez récupérer les énergies de ce reading et que ce sont les énergies de ce reading qui décrit plutôt ce qui se passe en ce moment. Merci les guides. Et ça vient me dire que votre challenge, justement, c'est de commencer cette nouvelle passion.
On vient vous dire que vous êtes mature émotionnellement et que vous êtes prêt pour cette nouvelle passion. Merci pour cette nouvelle approche, les guides. On vient me dire qu'en ce moment, vous êtes sur la défensive. Enfin, pas sur la défensive. Vous avez des sentiments, mais vous ne les avez pas encore révélés à cette personne. Ou pas bien comme il faut. Et par le passé, vous avez déjà eu des vues sur cette personne, mais quelque chose me dit que vous allez passer à l'action. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Ça vient me dire que si vous êtes le divin masculin, vous êtes en train de retrouver votre souveraineté et que vous avez envie d'avancer vers votre impératrice. Donc c'est vraiment une très très bonne chose, parce que c'est l'empereur qui est au centre de votre reading. Vous êtes doucement en train d'avancer, doucement. Vous êtes en train d'avancer avec l'énergie du King of Pentacles. Ça vient me dire que vous allez avancer et faire une proposition très concrète à la personne, que vous allez vous avancer vers cette personne. Premier conseil de l'univers, on vous demande de ne pas rejeter en fait le equal give and take qui va vous être apporté, c'est-à-dire cette relation d'égal à égal qui va vous apporter le bonheur. N'en doutez pas, mes amis Capricorne, cette nouvelle relation, mes amis Capricorne. Et les cartes sont sticky, fait extrêmement chaud ici. Au niveau de la famille, je pense qu'il y aura un nouveau départ. Ça peut vouloir me dire texto que vous allez peut-être fonder une famille avec cette personne. C'est ça que ça peut vouloir me dire. Ça peut vouloir me dire que c'est une nouvelle histoire d'amour. Ça peut vouloir me dire que vous n'avez pas peur d'affronter les dangers avec cette personne, que vous avez totalement confiance en cette personne. Et ça vient me dire que vous êtes prêt pour un nouveau départ. Ça peut vouloir me dire aussi que... Ça peut vouloir me parler aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles habitudes, de nouveaux amis. Et ça peut vouloir me dire que vous allez vous séparer de l'ancien, que vous allez faire... Vraiment de nouvelles rencontres, mes amis Capricorne. Mais ça va être des personnes qui vont vraiment rentrer dans votre vie pour rester. C'est vraiment ce que je vois, mes amis Capricorne. Et ça peut vouloir me dire que vous allez instaurer aussi une nouvelle façon de discuter ou une nouvelle approche avec votre famille ou tout simplement créer une nouvelle famille. Ça peut être aussi une famille recomposée, mais je vois énormément de choses là-dessus. Ça peut vouloir aussi me parler de réconciliation. Ça peut vouloir me parler d'allègement. Ça peut vouloir me dire qu'il y avait peut-être énormément de problèmes et que vous êtes en train de résoudre et que vous allez résoudre ces problèmes, mes amis Capricorne, en famille, que vous vous sentez de plus en plus allégé. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, mes amis Capricorne. Votre hopes and fear, en fait, c'est de vous demander si tout va bien se passer. Et je vous dis tout de suite, tout va bien se passer, mes amis Capricorne, si vous ne prêtez pas attention à ce que vous pourriez penser être des défauts chez vous, mes amis Capricorne. Dites-vous que vos imperfections, c'est ce qui fait vos perfections, mes amis Capricorne. Et je ne suis pas en train de vous graisser la patte. Tous ceux qui viennent là en me disant « Hey, il est en train de graisser la patte. » Non, c'est vraiment ce que je pense des Capricornes. C'est votre reading. Obtenez un reading comme ça et vous aurez des readings comme ça. Moi, je ne fais que interpréter les cartes. Pour tous les grands érudits, les connaisseurs, les cartes, elles sont là, elles sont devant vous. Je recommence à mettre les cartes. Comme ça, au moins, vous voyez. Hein. Et croyez-moi qu'il y a des boss sur YouTube et que moindrement je dis une connerie, que je me fais rattraper par mes consoeurs et mes confrères qui viennent regarder mes guidances. La plupart, ils sont là depuis bien plus longtemps que moi. Ils s'y connaissent encore mieux sur le tarot que moi. Donc, il y en a qui ne se sont pas gênés pour venir me dire « Jay, tu racontes un peu trop de conneries. » Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je fais des gros bisous à Guidance Sophia aussi, qui est l'une de mes mentors, bien entendu, avec Irène Rust Hera qui reste dans l'ombre, la sorcière Hera que j'aime et que je fais des gros bisous. Et on termine avec la force, avec strength, bien entendu. Ça vient me parler de victoire, ça vient me parler de force, ça vient me parler de force sur les triangulaires, ça vient me parler de victoire en fait, sur la victoire à tout prix, sur les déchirures, sur... C'est la victoire en fait. La force, c'est de faire les choses de façon légère. Ça vient me dire que votre vie va s'alléger, mes amis les Capricornes. Votre vie va s'alléger et je trouve ça plutôt cool, mes amis, les Caps. Ok, allez, je vais aller clarifier tout ça, même si c'est un très beau reading, je vais aller clarifier tout ça. Allez, c'est parti. On va aller clarifier The World, mes amis, les Capricornes. On va aller clarifier The World pour voir si jamais il y a des... Je reste très léger parce que je sais que vous allez trouver votre chemin, les Caps. En tout cas, ce que je vois dans ce reading, c'est que vous êtes vraiment en train de vous détacher de votre passé. Et ça, c'est une très très bonne chose énergétiquement. Vous êtes en train de vous libérer de votre passé, donc c'est une très très belle chose énergétiquement.
Allez, on clarifie The World, mes amis, les Capricornes, avec le Eight of Swords in Reverse. Que n'ai-je pas dit, les Capricornes? The Queen of Cups, la Reine des Coupes, et le Four of Cups. Donc, ça vient me dire que vous êtes tout simplement en train de vous libérer du passé. Vraiment, c'est ce que vous êtes en train de ressentir, hein, au niveau du corps et tout ça. Donc, c'est vraiment du concret, que vous êtes en train de voir la lumière, hein, que vous sondez beaucoup vos sentiments en ce moment, que vous êtes en train de faire énormément de réalisations. Encore une fois, l'univers vous apporte la porte de sortie, ne l'ignorez pas, les Capricornes. Le Ace of Swords, on a le Five of Cups in Reverse, donc on laisse tomber les regrets. On a le Battleur, on a le Magicien, donc ça me parle d'un nouveau départ et ça vient me dire que cette leçon vous a appris à vous choisir, à vous aimer et maintenant vous allez apporter votre coupe d'amour avec authenticité. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, c'est vraiment magnifique. Comment je vais l'appeler cette guidance? Je vais l'appeler Mr. Bombastic, les Capricornes. Mr. Lova Lova. Non, 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 Mr. Bombastic. C'est exactement ça. Mr. Boomcaps. Mr. Fantastic. Ouais, Mr. Roo. Please, baby, please. Atchum sneeze. Exactement, ouais. Je connais pas trop la chanson, mais c'est ce qui va vous arriver, les caps. C'est clair net. Mr. Bombacaps. Exact. Mr. and Mrs. Bombacaps. Top. Jeez, whiz, baby, please. Ouais, c'est exactement ça. Allez, valier 2. Ça va être chaud, les Capricornes. Ça va être chaud, les Capricornes. D'ailleurs, c'est peut-être un signe de feu, d'ailleurs. C'est peut-être un bélier qui va, j'allais dire, vous faire du rentre-dedans. Ouais. Ils sont très forts pour ça, les béliers. Ah, ou alors, il y a des placements en bélier. Hein. Ouais. Peu importe, il faut que je jette ces images de ma tête, les Capricornes. Je ne veux pas voir ça. Surtout toutes mes amératrices Capricornes qui sont tellement belles et tout. Quelque chose me dit qu'elles vont plus venir voir mes readings parce que elles auront autre chose à faire, de meilleur et je leur souhaite le bon vent, mes amis les Caps. Et à tous les beaux mâles Caps barbus que j'ai sur ma chaîne, et ben écoutez, c'est sans rancune et merci à ceux qui m'ont envoyé des PayPal surtout. N'oublie pas d'avant de raquer avant de partir ceux qui ne l'ont pas fait encore. Les guides me disent concentre-toi, pardon. Donc, le King of Wands, donc cette personne est bien entendu valet des deniers, donc elle vient vous apporter quelque chose de concret. Le pendu, donc elle lâche prise parce qu'elle a vraiment envie de venir vers nous. Et on a le Nine of Cups in Reverse. Alors, ça peut vouloir me dire que cette personne, elle aurait peut-être, c'est comme si, je devrais pas dire ça, mais c'est comme si elle aurait encore besoin de vous. Et ça, j'aime pas trop parce que ça pourrait me parler de dépendance affective. Ou alors, ça peut vouloir me dire aussi, parce que bon, ça sert à rien, pas tout est beau, tout est machin, mais ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, peut-être, elle se l'a joué par rapport à vous avant. Elle essayait de montrer tout et qu'elle va arrêter de faire ça. Que l'univers la pousse à arrêter de faire ça pour pouvoir revenir vers vous de façon authentique. Et les guides me disent que c'est plutôt cette option, donc c'est plutôt cool. Attendez, je vais aller clarifier le empereur. Ouais, bah ouais, Justin Divi, c'est ça. Cette personne, elle est en train de trouver son équilibre. Elle est en train de se décider, exactement. On a le diable, hein, exactement. Et on a... Parce que cette personne, en fait... Elle est en train de se libérer des attachements avec vous. Et si on a le diable au milieu, vous savez ce que c'est le diable? Juste au milieu du reading et au niveau du mental chez cette personne, bah c'est vous, hein, c'est les caps. Hein. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est très attachée à vous. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, elle n'essaye plus d'être contrôlant par rapport à votre relation. Ces trois arcanes majeures, ça peut vouloir me dire que c'est une relation de destinée. Et ça vient me dire que cette personne, elle ne va plus essayer... d'enfermer en fait la relation dans une case ou de vouloir, par exemple, vouloir que les choses se passent comme ça ou selon un dogme ou selon, vous savez, une idée bien pensante et tout ça. Cette personne, elle est vraiment en train de... Il y a vraiment une histoire d'épuration, là, regardez. D'ailleurs, ça tombe bien parce que les deux personnes qui sont sous un menton rouge dans le tarot, sous un manteau rouge, avec des chaussons blancs, ce sont la justice et l'empereur. Et ça vient me parler d'épuration, ça vient me parler d'authenticité. Les guides me disent que je peux retourner cette carte, qu'en fait, elle était faite pour être lise à l'endroit. Et ça vient me dire que cette personne, ça vient me parler de mariage, de forever after, de justice divine, d'équilibre et de décision de la part de cette personne. Donc, je trouve ça vraiment extraordinaire, mes amis Capricorne. Ok, et vous, au niveau du mental, vous en êtes où, mes amis Capricorne? Exactement, vous avez envie d'équilibre, vous avez envie de réciprocité, et vous avez envie de sagesse aussi, mes amis Capricorne. Parce que c'est le Six of Pentacles, c'est l'énergie des taureaux. Ça vient me dire que vous avez envie de partager, mais vous avez aussi envie de recevoir, et vous avez compris qu'il fallait
donner pour pouvoir recevoir. Hein. Donc c'est vraiment fantastique. Hein. Vous avez le Free of One, ça vient me dire que vous ne comptez aller nulle part et que c'est vous qui allez manifester cette personne. Ça vient me dire que cette personne, elle revient vers vous. Et ça vient me dire que cette personne, elle va vous offrir une vérité, mes amis Capricorne. C'est vraiment ça que vous espérez vraiment. Avant, vous espériez que cette personne revienne vers vous pour vous apporter en fait de l'équilibre. Mais là, ça vient me dire que vous avez trouvé un équilibre dans votre vie et que vous n'avez plus besoin de cette personne. Et c'est pour ça que cette personne, elle est en train de revenir vers vous, mes amis Capricorne. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez découvert la pierre philosophale et vous avez découvert aussi des grands principes. Mais j'en parlerai plutôt sur la guidance des flammes jumelles parce que je sens que les énergies sont en train de vraiment de bouger là. Mais il me semble que vous avez compris énormément de choses, les Capricornes. Vous avez compris que j'ai l'impression que vous avez vraiment compris. Vous êtes là, vous vous êtes vraiment détaché. Et énergétiquement, c'est ce qui fait que cette personne, elle revient vers vous, les Caps. Hein. Donc bravo, 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 bravo. Vous êtes définitivement en train de couper avec le contrôle et en train de couper avec le passé. Hein. En tout cas, ça pourrait être un conseil. Ça veut vouloir me dire que si vous voulez de l'equal give and take, peu importe avec la personne qui arrive là, si c'est une personne du passé qui doit vous avouer une vérité, on vous demande de ne pas. De ne pas courir derrière ça, hein, mes amis Capricorne. Vous connaissez le vieil adage, hein, everything you're searching for is hiding from you. Everything you are running from is. Everything you are pursuing is. Searching for is. Plus vous, everything you chase, everything you chase will run from you. Tout ce que vous voulez poursuivre. Va vous éloigner, va s'éloigner de vous. Everything you search will hide from you. Tout ce que vous cherchez se tapira dans l'ombre et ne se révélera pas à la lumière. Et c'est quoi? Et le dernier, c'est. Ah oui, everything you. Tout ce que. Tout ce qu'on ignore, c'est ça. Everything you ignore will search for you. Everything you escape will search for you. Donc ça veut dire que tout ce que vous cherchez à esquiver va venir vers vous, va venir vous chercher en fait. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment compris ça. C'est-à-dire que vous arrêtez de vouloir chercher pour quelque chose. Vous arrêtez de vouloir chercher pour quelque chose. C'est-à-dire que tout est là, mes amis Capricornes, que vous arrêtez de chercher. Ça vient me dire que vous arrêtez de chercher, que vous arrêtez de poursuivre et que vous arrêtez d'esquiver. Et le fait que vous fassiez ces trois choses, ce sont les principes de l'alchimie. C'est ce qui fait qu'il est en train de se manifester des choses qui sont vraiment merveilleuses dans votre vie. J'y reviendrai plus tard là-dessus parce que c'est un concept qui demande énormément de temps, de précision. Il va falloir que je me prépare pour expliquer ça, mais je sens que c'est un concept que je dois vraiment amener, que je dois mettre à nu, mais je le ferai sur la guidance des flammes jumelles. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'avec le mouvement des planètes, Mercure, Vénus, tout ça qui repasse en direct, la venue de Pluton et tout ça, j'ai l'impression que énormément de personnes sont en train de comprendre ça et de manière consciente, mes amis Capricorne. Ok, je vais continuer et je reviendrai sur le flamme jumelle où j'expliquerai ça un peu plus en détail pour tout le monde, mes amis Capricorne. On en est où au niveau de la destinée, au niveau de votre destinée? C'est peut-être Twin Flame. Hein, regardez, je tire la carte Twin Flame. Hein, donc, c'est peut-être une énergie de destinée. Il y a quelque chose qui est en train. Je vous avais dit que vous n'aviez jamais rencontré votre Twin Flame, les Caps. Ou alors, ça fait longtemps que vous ne l'avez plus vu. Et là, il y a quelque chose. Hein. Et ça va peut-être être un peu, j'allais dire, lourd à porter énergétiquement, mais vous allez déposer ce fardeau, mes amis, les Capricornes. Et vous êtes mature émotionnellement, vous êtes prêt. Ne soyez pas sur la défensive, hein. Soyez vraiment mature émotionnellement, soyez prêt pour ce moment. En tout cas, vous allez vraiment déposer ce que je vous ai dit depuis toujours, mes amis Capricornes. Hein. C'est déposer vos barrières énergétiques, vraiment déposer vos barrières énergétiques. Bon, allez, les guides me disent, il faut que j'explique un peu ce concept. Quand vous voyez une personne, alors, ça peut être un système de défense. Vous n'avez jamais remarqué, par exemple, ces femmes qui vous disent tout de suite, j'ai mon copain, j'ai mon copain, j'ai mon copain. En voulant dire j'ai mon copain, hein, je suis avec quelqu'un. Ça peut être pour se protéger, genre j'ai mon copain, d'accord, parce qu'elle n'a pas envie de se faire embêter, pardon.
Mais ça peut être aussi inconscient, vous savez, pour voir quel est le mâle alpha entre vous. Ça peut être j'ai mon copain, et puis dès qu'il y en a un qui s'avance et qui. Et alors, moi, t'as ton copain, mais moi aussi tu me plais, moi aussi j'ai envie d'essayer. Là, tout de suite, la nana, boum, elle fait sa sélection naturelle. Elle se dit, ben, moi je vais prendre lui parce que c'est le mâle dominant. Et si on pousse ça vraiment on va dire, si on dépasse les barrières, ça peut créer un rapprochement, mais si on va trop loin là-dedans, ça peut aussi causer des problèmes. On est bien d'accord. Mais ça montre aussi une certaine assurance. Ça montre en fait le côté mâle alpha. Parce qu'il y a des personnes aussi, on peut leur dire j'ai mon copain. Une fille peut dire j'ai mon copain et tout de suite, la personne, elle abandonne, même si elle a des sentiments. Ou alors elle va jouer à des jeux où elle va attendre que l'autre se sépare avec son copain sans jamais dévoiler ses sentiments. Un peu comme et ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. L'authenticité, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses en fait pour que. Pour entre guillemets, s'il faut accélérer les choses, pour faire accélérer les choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire ça, de dire j'ai mon copain. Quand vous voyez une femme qui est dans une pièce et qu'elle est vraiment bien dans sa vie, elle aura pas besoin de dire à tout le monde j'ai mon copain, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai une bonne situation et je suis heureux. Ça va se voir directement, ça va se voir à un niveau vibratoire. On va voir que cette personne. Elle brille de mille feux et que cette personne, elle est vraiment bien dans sa vie. Ça va se voir directement, ça. C'est ce qu'on appelle en fait la vibration. Parce que cette personne, elle va vraiment vibrer ça. Elle va puer le bonheur, comme on dit, pour ceux qui ne sont pas dans le bonheur. Et si vous voulez, cette personne, elle n'aura pas besoin de dire à tout le monde, voilà, j'ai mon copain, parce que ça va se ressentir tout de suite. Ça, c'est vraiment le stade au-dessus. J'espère que les guides me disent, t'expliques ça de façon bizarre, mais c'est pas grave. J'expliquerai ça mieux un peu plus tard, mais bon, on va la rester fun et cool aujourd'hui. Et ça vient me dire que, et tout le monde connaît ça, même ceux qui n'ont aucune connaissance en énergie, en spirituel et tout, tout le monde connaît ça. Il y en a qui s'en servent comme arme pendant le lycée, vous savez, par exemple, le jeune qui est là, qui esquive tout le monde et tout, qui se la joue un peu mystérieux, il va attirer toutes les gonzesses à lui, mais après, ça peut se retourner contre lui aussi. Parce que on peut esquiver tout le monde, et oui, en effet, tout le monde va vous courir après. Mais le moment où vous arrêtez d'esquiver quelqu'un, ensuite vous équilibrez la balance, et ensuite les choses, cette personne peut à son tour se détourner de vous, ou ça peut, c'est les principes de l'alchimie, et en fait, et ça peut équilibrer les choses. Et il y a des gens en fait qui veulent utiliser ce pouvoir un peu comme de la magie noire, qui vont passer par exemple leur vie à esquiver leur conjoint, et ça rend le conjoint malheureux. Mais c'est quoi? C'est juste en fait une peur en fait que l'autre s'en aille. C'est un peu ce qui se passe en fait dans les parcours flammes jumelles. C'est un moment, on ne s'en rend pas compte, mais la chaser a toujours envie d'être avec son runner. Donc la chaser, elle va toujours faire en sorte de courir derrière, de chercher déjà, de chercher et de forcer en fait le runner. Mais ça, le runner, même s'il est à l'autre bout de la planète, il va le ressentir énergétiquement. Et c'est quand la féminine se détache et qu'elle commence à se faire connaître, qu'elle commence à faire parler d'elle et tout. Regardez dans le film Le Notebook ou Souviens-toi, c'est quand elle voit Noah dans le journal que paf, le runner il se réveille. C'est au bout d'un moment, la féminine en fait arrête comment dire, de chercher en fait pour le runner. Parce qu'en fait, inconsciemment, la féminine cherche toujours le runner. Même si le runner est à l'autre bout de la planète, mais elle le cherche toujours. Ou alors elle va chercher à, comment dire, tout ce que l'on. Everything you chase will run from you. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on dit le chaser et le runner. Et elle va toujours poursuivre en fait le runner. Même inconsciemment, elle va faire des choses. Quand vous vous énervez contre votre divin masculin, en fait, c'est que vous êtes en train de le poursuivre en fait. Et ça, il le ressent énergétiquement, même à l'autre bout de la planète. Ce qui fait qu'il ne revient pas, même s'il est toujours très attaché à vous, parce que vous êtes votre twin flame. Vous comprenez ça? Et au bout d'un moment, la féminine, elle arrête de faire ça, parce qu'elle comprend ça, et elle commence vraiment à se détacher. Donc tout ça, c'est vraiment énergétique, ce sont des principes hermétiques, ce sont des principes philosophiques, mais ce sont des principes énergétiques. Par exemple, en physique quantique ou dans la physique des particules, c'est quand on arrête de regarder un proton ou un neutron ou alors un ion, enfin, c'est là que en fait, la molécule ou la particule apparaît. Dès qu'on regarde la particule, elle disparaît et dès qu'on détourne son attention, la particule, elle réapparaît. Vous voyez, tout ça, en fait, au même un niveau, j'allais dire, physique quantique, ça peut se vérifier. Donc, ce n'est pas que de la philosophie, ce n'est pas que de la magie, hein, bien entendu. Et je vais vraiment pousser un petit peu
le raisonnement, enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais ça vient me dire que. Ça vient me dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, quand je vous parle de barrières énergétiques, à chaque fois, les Capricornes, je ne sais pas si c'est bien clair, mais quand je vous dis à chaque fois de baisser vos barrières énergétiques, c'est exactement ce que vous devez faire. C'est-à-dire baisser vos barrières énergétiques, justement pour pouvoir devenir solide, pour pouvoir devenir mature émotionnellement, comme le roi de coupe. Il est au milieu d'un océan, mais il ne vacille pas. C'est dans la tempête qu'on voit un capitaine. Et c'est un capitaine énergétique au milieu de l'océan. C'est un capitaine énergétique au milieu de l'océan. Vous comprenez, mes amis Capicaps? C'est quelqu'un qui en maîtrise de ses sentiments. Et c'est pour ça que vous êtes en train de manifester votre twin flame. Et c'est pour ça que l'univers est en train de vous souffler les réponses. Et là, non seulement c'est l'univers qui vous siffle les réponses, mais en plus, ce reading, c'est vraiment de la bombe. Ça vaut 50 millions de dollars, ce que je suis en train de vous dire là. Allez, vous savez quoi? Je vais faire plus que ça. Je vais vous en apprendre un peu sur le tarot. Je vais vous faire un cours magistral de tarot aujourd'hui, les caps. Alors préparez-vous parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être jamais entendu. Et si jamais il y a des boss en tarot, je pense que ça va vous faire plaisir aussi. Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, comment tu sais ça? Mais je sais beaucoup de choses. Je sais rien, mais je sais beaucoup de choses. Ça vient de la source directe. Je pourrais passer une heure sur chacune de ces cartes, mais je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais devoir parler un petit peu anglais parce que c'est vrai que le français, c'est vraiment la langue de Molière, c'est vraiment la langue du romantisme, c'est vraiment la langue. L'anglais, c'est la langue des sorciers et c'est pour ça qu'on dit spelling. C'est parce que quand on parle, en fait, on prononce des sorts. Je vais vous montrer trois cartes et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a de commun sur ces trois cartes. C'est la carte de la force, c'est la carte du Two of Pentacles et c'est la carte du lion. Vous pouvez voir en fait un 8 qui se trouve sur la tête du lion ici. Cours magistral de tarot aujourd'hui les Capricornes. Pour ceux qui vont suivre cette leçon, je peux vous dire que vous avez le 8 ici sur la tête du magicien ici. Et vous avez un 8 ici, d'accord? Et ça représente 3-8. D'accord? 3-8. Et vous connaissez tout ce symbole. Je suis sûr que vous connaissez tout ce symbole, mais peu importe. Et c'est un sort, c'est un concept philosophique, c'est un concept hermétique qu'il y avait déjà sur les tables d'émeraude. Et c'est un pouvoir très puissant que je vais vous révéler. Vous êtes le diable, les Capricornes. Et vous connaissez ce pouvoir inconsciemment. Tous les êtres humains possèdent ce pouvoir inconscient, mais aujourd'hui, je vais vous le révéler. C'est 3-8. On va commencer par celui du Two of Pentacles. Ça, c'est l'esquive. C'est le fait d'esquiver. C'est-à-dire que quand vous esquivez une personne, quand vous esquivez quelque chose, et vous pouvez même esquiver le monde. Quelqu'un, vous avez jamais vu dans ces films quand quelqu'un se fait le héros, se fait retrouver et qu'on lui dit tu pensais que tu allais te. How long you think you could escape? Combien de temps tu pensais que tu allais pouvoir te cacher? Donc, ça marche avec les éléments, ça marche avec tout. Le fait de vouloir esquiver, quand vous esquivez quelqu'un, vous attirez cette personne à vous. C'est un grand pouvoir. Allez cogiter là-dessus. D'accord? Plus vous esquivez quelqu'un, plus cette personne, elle va venir vers vous. D'accord? C'est le pouvoir de l'esquive. C'est un des huit, en fait. Le deuxième, c'est la recherche. Le magicien, quand on cherche, le tour de magie, en fait, quand on cherche à découvrir le tour de magie. Mais plus vous cherchez à comprendre, plus vous cherchez, et plus cette chose se cache. Si vous cherchez à fréquenter telle fille, si vous cherchez à fréquenter tel garçon, si vous cherchez telle chose qui va vous rendre heureux et tout ça. Si vous cherchez la réponse, quand on cherche la réponse ne vient jamais. C'est quand on arrête de chercher la réponse que la réponse se présente naturellement et se présente à vous. Et c'est un grand principe d'alchimie. J'espère que je ne vais pas me faire buter parce que là, vraiment, je suis en train de partir dans du high level. Et là, c'est vraiment un grand cours magistral de tarot. Quand vous êtes en train de chercher quelque chose, cette chose se cache. D'accord? Et vous avez le troisième 8. Sachez que quand. Alors, encore un petit tip. Sachez que quand vous avez des symboles sur les mêmes cartes, d'accord, trois symboles, ça fait partie d'une trinité, tout ça. Et il y a énormément de secrets qui sont vraiment cachés dans le tarot. Mais à un point où vous imaginez même pas. Il y a toute l'histoire de l'univers, de l'humanité. Et ça vient beaucoup plus que de l'Égypte et de la Kabbale et des Hindous et des tables d'émeraude. Enfin, si, ça vient des tables d'émeraude et du royaume de Kerm, de l'ancienne Égypte. Mais c'est une science occulte extrêmement puissante, le tarot, mes amis. D'accord? Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets ici, enfin tous les secrets, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a énormément de choses qui sont vraiment balèzes dans le tarot. Peut-être
Peut-être certains d'entre vous font du tarot peut-être depuis une trentaine d'années et entendent ce que je suis en train de vous dire pour la première fois. Donc finalement, ça aurait été. Je vous ai toujours dit que vous étiez mes préférés, les Capricornes. Donc aujourd'hui, vraiment, je vous mets en l'air. Hein. Enfin, je vous mets bien, les Capricornes. Et en dernier, vous avez en fait le 8 qui se trouve en fait sur la tête du lion ici. Et ça, si vous voulez, c'est le fait de forcer en fait. C'est la force, le contrôle. Everything you're chasing is running from you. Quand on chase, c'est-à-dire quand on chasse le lion, vous savez, quand on chasse la bête, d'accord? C'est chasing, d'accord? Ça veut dire que tout ce que vous, quand, tant que la féminine est dans le, est dans la part, est la chaser, le runner ne fait que runner en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on appelle ça chaser, runner. Et ça demande énormément de maturité et d'expérience pour la chaser adolescente pour ensuite devenir un adulte pour comprendre ça. Et c'est là, quand on enlève ces dépendances énergétiques ensuite que la twin flame. En fait, j'ai l'impression que le reading voulait vraiment que je vous fasse comprendre ça aujourd'hui. C'est vraiment la configuration parfaite. Donc peut-être que votre titre, ce sera « Grand cours magistral de tarot pour vous les caps ». Et non, ce sera « Bomba caps ». Et les guides me disent « Concentre-toi ». Ok. Donc ça, en fait, tout ce « Everything you chase will run from you ». Tout ce que vous allez en fait. Et même si vous le faites inconsciemment, c'est-à-dire que vous pensez à quelqu'un ou que vous voulez que quelqu'un revienne vers vous, en fait, vous êtes en train d'utiliser l'une de ces énergies-là. C'est ce qui fait que l'autre personne, la personne que vous convoitez, va s'éloigner de vous. Ce que vous cherchez, c'est-à-dire que quand vous arrêtez de chaser, de courir derrière, quand vous arrêtez d'esquiver, parce que le runner, lui, il est très fort pour l'esquive. Il est très fort pour l'esquive, le runner. Et c'est ce qui fait que la chaser revient toujours vers le runner. Et les filles font, même les hommes aussi, mais il y a beaucoup de personnes qui font ça de façon inconsciente. Et ça ramène énormément de problèmes et tout ça. Mais bon, là, on pourrait rentrer dans la psychologie et tout ça pendant des heures. Mais si vous cogitez sur ce que je vous dis, vous allez comprendre énormément de choses sur comment fonctionnent les êtres humains de façon énergétique. Mais le runner, lui, c'est pour ça qu'on l'appelle le runner, en fait. C'est celui qui esquive. C'est celui qui esquive. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, il y a des femmes qui m'envoient des commentaires, d'accord, sur Five Star, et qu'il y en a à qui je réponds, et certaines, je fais que esquiver. J'envoie un petit cœur, mais sans plus. Et bien, celles que j'esquive, elles vont vouloir de plus en plus m'envoyer de messages et tout ça. Et au moment où je porte un intérêt et je me mets à. Et bien, ça crée une barrière énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, je pourrais me dire, ah ben, je vais jouer à des jeux. Mais ça peut aussi se retourner contre vous. Donc, il faut trouver une balance, en fait, dans tout ce qui est la magie blanche, la magie noire et tout ça. Il faut trouver un juste équilibre pour ne pas que les forces se retournent contre vous. Mais des fois, on peut avoir les forces du bien et les forces du mal, et on peut mal les utiliser et aussi de façon inconsciente, et ça peut nous peser pendant toute notre vie. Et une fois qu'on ne cherche plus à vouloir soumettre comme le diable, alors c'est là qu'on devient de véritables alchimistes. C'est là qu'on roule avec la source, en fait. Donc, et donc le runner, lui, il est vraiment en train le runner, lui, il est toujours en train d'esquiver. Mais au bout d'un moment, la féminine, elle se reprend énergétiquement. Vous commencez à devenir très fort dans votre domaine, vous commencez à rayonner. Et vous commencez à rayonner aux yeux du monde. Donc, ça fait que le runner ne peut plus vous ignorer. Vous comprenez ça, les féminines? Le runner ne peut plus vous ignorer. Ne peut plus vous esquiver. Donc, il perd de son pouvoir. Et vous, vous arrêtez. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le dernier, quand on parle de chercher, c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve. Ça vient me dire que quand on se conditionne et se dire « voilà, j'ai déjà tout dans la vie, je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un, je suis déjà bien, je n'ai pas besoin d'être avec personne », les gens ont peur de se conditionner là-dedans parce qu'ils se disent « mais si je fais ça, je vais finir ma vie tout seul ». Mais c'est là, c'est totalement faux. Quand on ne cherche plus à vouloir obtenir pour être heureux et qu'on est vraiment totalement heureux, ça ne veut pas dire de se contenter de ce qu'on a. C'est vraiment les mots ont de l'importance. C'est quand on ne cherche plus, les mots ont leur importance. Précision chirurgicale, d'accord, l'astrochirurgien. Quand on ne cherche plus, en fait, quand on ne cherche plus. Quand on est bien, on est tout simplement bien. On n'est pas à vouloir dire j'ai mon copain, j'ai ma copine et tout ça. Quand on est tout simplement bien, ça se ressent énergétiquement. Et quand on ne cherche plus, c'est là que toutes les choses, c'est là que toutes les solutions, c'est là que les choses qui doivent être présente pour vous, c'est-à-dire pour votre apprentissage, la leçon qui se présente à vous, l'opportunité qui se présente à vous, d'accord? La prise de conscience qui se présente à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Le Wounded Warrior, celui qui a pris de l'expérience, celui qui décide d'apprendre la leçon.
Vous voyez, toutes ces choses arrivent en fait à ceux qui décident d'arrêter de chaser, à ceux qui décident d'arrêter de courir après, donc ceux qui décident d'arrêter de chercher et ceux qui décident d'arrêter d'esquiver. C'est ce qu'on appelle aussi plus communément la méditation. Et quand vous avez ces trois huit en fait qui viennent en fait se joindre en un, vous voyez, c'est là aussi une des composantes de la pierre philosophale qui est extrêmement puissante. Je ne vais pas vous en dire plus, d'accord, pour l'instant. Mais si vous cogitez là-dessus, de toute façon, vous trouverez vous-même les réponses. Ne cherchez pas à les découvrir et la vie viendra vous les apporter en temps et en heure. Les guides me disent de m'arrêter là et que je peux reprendre tranquillement. Donc voilà, c'est une petite combinaison d'un trio sur ces trois cartes-là et d'autres combinaisons un peu plus tard. Parce que je vous avais dit que je donnais que 0,05% à Five Star et que j'attendais pour pouvoir monter un petit peu en puissance. Et là, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont commencé à se dire « Ouais, mais il raconte n'importe quoi. » Ben là, c'était une petite démonstration aujourd'hui. Donc voilà, débrouillez-vous pour que j'arrive à mes 200 000 abonnés et puis je partagerai. Non, je déconne les caps. Mais vous voyez, je suis un petit peu comme vous, hein. Et ça, c'est exactement ça. C'est justement, vous savez, c'est le contrôle en fait. Et plus on essaye à contrôler, à vouloir quelque chose, à vouloir 200 000, 300 000 abonnés, bah, plus les 300 000 abonnés s'éloignent de vous. Wouhou! Merci les guides. Donc très bien. Donc la seule chose à faire en fait, c'est à être cool en fait. Ok, merci les guides. Ouh, mais c'est pas de ma faute parce que j'ai ce diable Capricorne qui me regarde. Donc ça vient me dire que c'est vraiment la leçon que vous avez apprise aujourd'hui. Mes amis, il y avait un petit peu de thug là, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, on peut s'amuser un peu, hein, les caps, hein, je veux dire. Et vous êtes le signe avec qui je peux me la péter un peu, de toute façon. Je ne vais pas faire ça avec un cancer ou avec un Aquarius, avec un Verseau. Non, non, là, je pense qu'il se serait barré depuis longtemps. Ou alors avec une Vierge. La Vierge, elle m'aurait dit non, non, mais moi, je sais mieux que toi. Mais je sais pas, enfin en tout cas c'était une disposition qu'il fallait que je vous explique aujourd'hui. Et c'est ce que vous avez compris. Vous avez compris ça. Et vous allez vraiment cogiter là-dessus maintenant, je pense, après ce reading, et vous allez vraiment comprendre ça. Donc ça vient me dire que pour ceux qui veulent abaisser leur barrière énergétique, maintenant vous savez concrètement, je sais, vous allez me dire, tu pouvais pas me le dire plus tôt, non, c'était maintenant que je devais vous le dire. Donc ça vient me dire que voilà, et dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez agir, maintenant vous allez comprendre en fait, vous allez savoir si vous cherchez à, si vous êtes en train de chercher, si vous êtes en train de chaser ou si vous êtes en train d'esquiver. Et à chaque fois, vous ramènerez une balance là-dedans, dans vos agissements, et c'est là que tout va se présenter. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais déjà, bon, là, c'est, vous allez le faire de façon consciente, mes amis les caps. Donc voilà, c'est un des principes alchimiques du tarot et l'un des grands pouvoirs du tarot, mes amis les Capricornes. Allez, les guides me disent oui, c'est fini. Donc, ok, c'est reparti. Donc, on a de full. Donc, pour l'autre personne, ça vient me dire que l'autre personne, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ça vient me dire que cette personne, en fait, alors, il y a un petit truc qui me dérange et que j'ai l'impression que cette personne, elle ne sait pas encore comment est-ce qu'elle pourrait se réaliser sans vous. Ou peut-être qu'elle se pose des questions à savoir si. J'ai l'impression que cette personne, elle doit encore sortir d'une illusion. Et elle est en prière, elle est en demande à la source, en fait, Cette personne, en fait, elle pense qu'elle pourra peut-être jamais avoir d'enfant ou qu'elle pourra jamais se réaliser dans quelque. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, ça vient me dire qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la réalisation et que cette personne, elle a un choix à faire et qu'elle ne sait pas tellement où donner de la tête. Mais elle va comprendre énormément de choses, cette personne. Elle est peut-être. Je pense que cette personne, il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas compris au niveau de la réalisation. Elle est peut-être encore en train de se poser des questions, c'est ça, à savoir quel chemin prendre, quel chemin choisir, mais elle va sortir de l'illusion, elle va retrouver son pouvoir. Elle va retrouver son pouvoir. Et peut-être que cette personne, elle a des moments de doute des fois où elle se dit qu'elle ne elle ne trouvera pas un moyen de venir vers vous. Mais encore une fois, elle va y arriver parce que vous êtes en train de lâcher énergétiquement cette personne. D'accord, ok. Non, mes guides me disent que c'est justement parce que vous avez compris ce principe et que vous êtes en train d'appliquer ce travail que c'est en train de créer, que cette personne est en train de ressentir ça énergétiquement. Ah, d'accord, ça veut me dire que vous faites le travail de façon consciente ou inconsciente, à vous de voir à quelle vitesse vous voulez changer les choses, mais que vous êtes vraiment en train de le faire, mes amis, les Capricornes. Pour aller clarifier le King of Cups. Donc, on va aller clarifier le lien. Ça vient me dire que justement, cette personne, elle est en train de s'éveiller et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle s'éveille. Mais parce que vous êtes en train de comprendre énormément de choses, là, mes amis Capricorne. Donc, c'est extraordinaire.
King of Cups, donc ouais, on a le Eight of Wands in Reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle ne vous parle pas tout, pour l'instant et que vous êtes tous les deux concentrés sur quelque chose de concret. Et que c'est ça qui va vous faire sortir de l'illusion. Ça vient me dire que, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de parler l'un avec l'autre. Vous avez besoin d'écouter votre cœur, de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire, sur ces nouvelles opportunités que la vie vous amène. Et que c'est ça qui vous permet, en fait, d'obtenir le courage de pouvoir franchir les obstacles pour pouvoir vous retrouver l'un et l'autre. Et ça vient me dire que vous avez décidé d'arrêter de fuir l'un et l'autre parce que vous êtes malheureux l'un sans l'autre et que vous avez décidé de ne pas revenir sur le passé. Vous avez vraiment décidé d'avancer vers l'avant, vers un avenir radieux, vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment toutes ces forces que vous êtes en train d'acquérir. Elle était en train d'inventer n'importe quoi, Jay. Mais non, j'invente pas n'importe quoi. J'ai le Six of Swords in Reverse, j'ai le Suns in Reverse et j'ai le Fool in. Pour moi, ça veut dire passé, ça veut dire repartir dans le passé. Quand c'est comme ça veut dire repartir dans le passé. Et ça vient me dire que vous avez compris qu'il ne fallait pas repartir dans le passé. D'accord ? Il n'y a rien à faire dans le passé. Si vous repartez dans le passé, c'est que vous allez devoir réapprendre la leçon, mes amis Capricorne. Énergétiquement, mes amis Capricorne, vous comprenez ça, et même physiquement. Vous arrêtez de fuir, en fait. 8 de coupe sur le Five of Pentacles, ça vient me dire, c'est exactement ça. Maintenant, c'est une nouvelle passion, c'est exactement ça. Vous avancez vers votre souveraineté. Le passé, il est bittersweet, là, comme le citrus, comme le citron. Hein? Et ça vient me parler de guérison parce que le citron peut guérir énormément de choses, comme les choses, par exemple, qui s'accrochent à la peau. Vous savez, un peu comme les virus, les trucs comme ça. Eh ben, le citron, ça permet de guérir de tous ces trucs-là, les champignons et tout ça. Ça vient me dire qu'il y avait quelque chose qui s'accrochait à votre peau et que vous avez le remède pour vous en débarrasser. Retrouvez votre souveraineté, que vous êtes armé pour ça. Regardez, il a son armure en dessous. C'est une énergie de décisionnel, l'énergie des béliers. Regardez, il a le sceptre de la méditation. L'instant présent sans jugement. Ça vient me dire que vous êtes vraiment en train de... Vous êtes vraiment en train de guérir de ça, vous êtes vraiment en train de guérir de la blessure d'abandon. Et pour terminer, on va terminer pour clarifier la force, on va clarifier la force. Donc ça vient me dire que c'est un joli nouveau départ énergétique, les Capricornes, vous allez vous sentir cool. Pour ceux qui ont compris la leçon, parce qu'après on arrive en Mars, on arrive au temple d'Athéna, donc la fin de l'année chez les sorciers, parce que le 20, tout est fini, et puis on repart à zéro, hein, bien entendu. Et là, bah, je reprendrai avec les newbies, avec les nouveaux. Et puis bah, pour ceux qui sont arrivés là, je pense que là, d'ici mars, ça va être un peu... Là, on arrive... Et pour terminer avec le Strength, on a le Three of Pentacles. Donc, le Three of Pentacles, ça peut justement vouloir me dire que vous êtes en train de trouver un équilibre. Vous êtes en train de trouver un équilibre, justement, entre le fait de ne pas chaser, le fait de ne pas chercher, dans le fait de ne pas esquiver, c'est exactement ça. Vous êtes en train de trouver la force dans cette formule que je vous ai apprise là, hein, parce que c'est vraiment la Trinité qui vient de me sauter aux yeux là. Et ça fait un peu comme une flèche, vous voyez. Ça, c'est un peu comme une flèche en fait qui perce le noir. Et ça, bon, je ne vais pas vous avouer tous les secrets du tarot, mais enfin, quoi, c'est vraiment... Si vous voulez, en fait, la trinité, la nature de l'énergie, allez voir mon site Awareness System qui est linké sous cette chaîne, la vidéo numéro 3, je crois, ou la vidéo numéro 2, la nature de l'énergie. Mais la nature de l'énergie, c'est la trinité en mouvement. C'est la trinité en mouvement et c'est exactement ça. Et regardez la fleur qu'il y a dessous, la fleur qu'il y a dessous qui est ici là. C'est exactement le principe, j'allais dire le principe alchimique que je vous ai... parce que quand vous symbiosez les 3-8 ensemble, ça vient créer cette fleur, hein, justement. Donc, elle est présente ici, elle est présente à énormément d'endroits. Mais donc ça vient me dire aussi que vous avez un plan et que vous allez suivre le plan et que vous êtes... Ça vient me parler de coopération dans le monde du travail et ça vient me parler des lovers, ça vient me parler d'une unification, ça vient me parler d'un choix qui est fait entre vous deux. Et on termine avec la carte des triangulaires. Alors ça vient me dire que... Ouais, alors ça, justement, pour clarifier la triangulaire, regardez, on vous dit l'ex, le passé, c'est fini, c'est derrière vous. Parce que même si c'est un ex qui revient du passé, cette personne elle aura tellement changé que ce ne sera plus votre ex. Oubliez la personne que vous avez connue il y a 10, 20 ans, c'est plus la même. Hein, parce que, ah bah oui, regardez, la lumière qui est jetée sur l'ombre, la lumière qui est jetée, ça veut dire que les choses qui sont cachées vont être révélées. Ça veut vouloir dire que les moments difficiles sont terminés aussi. Ça peut vouloir dire aussi illumination, ça peut vouloir dire aussi
Sortir du sacrifice, sortir du dur labor. Moi, je connais justement des Capricornes qui font des vendanges et tout ça. Et les grapefruits, en fait, c'est le sacrifice, mais il y a aussi énormément de vendanges sur certaines cartes et tout ça. Mais ça, enfin bref, le message là, c'est qu'on sort des moments qui sont vraiment difficiles. Et on a, c'est marrant, la triangulaire, on a le Three of Swords. Hein. Donc ça vient vraiment me dire que... Putain, triangulaire, Three of Swords. C'est quoi le message là? Putain! En fait, il me répète toujours le même message. Donc là, on vous parle de stabilité, on vous parle de Forever After, on vous parle de ne pas avoir peur. Ah, d'accord, ok. Donc ça vient me dire exactement. Vous êtes bien dans votre vie. Ne cherchez pas à faire quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose. N'esquivez pas, bien sûr, merci les guides. N'esquivez pas, ne cherchez pas à esquiver aussi vos ombres intérieures. Vous savez ce qui colle pas chez vous, le fardeau. Vous le savez très bien. Donc arrêtez d'amener la névrose là-dedans. Arrêtez de vouloir combattre ça. Observez, voyez bien à l'intérieur de vous. Voyez bien à l'intérieur de vous ce qui n'est pas bon, mes amis les caps. Voyez bien à l'intérieur c'est-à-dire toutes ces zones d'ombre, toutes ces choses auxquelles vous faites face de façon entêtée, en fait, vous voyez? Ne vous sabotez pas, c'est-à-dire que ne cherchez pas à esquiver le problème. C'est ça la barrière énergétique. Le mur de glace, là, comme dans Game of Thrones, qui est infranchissable. Faites-le fondre, mais c'est vous qui devez le faire fondre avec l'énergie de votre cœur, avec l'énergie des balances, avec l'énergie d'équilibre, en trouvant l'équilibre, dans l'épuration aussi. Vous voyez, la justice, le fait que tout soit carré en fait. Vous voyez, le fait que tout soit carré. Donc ça vient vraiment me dire, regardez la pierre philosophale, regardez le chakra du cœur par la pierre verte qui est sur la couronne de la balance ici. Hein. Il y a énormément de choses, mais ce que ça vient me dire, c'est que... Non, on va s'arrêter là avec les trucs cachés, mais ce que ça vient me dire vraiment, c'est que n'esquivez pas la vérité qui est à l'intérieur de vous. Et ne cherchez pas, ne cherchez plus à vouloir trouver, tout est là. Ne cherchez pas pour que les réponses vous arrivent. Ça pourrait être vraiment votre dernier reading, celui-là, hein, mes amis Capricorne. Si vous comprenez la leçon de ce qui a été dit et dite pour vous aujourd'hui, ça pourrait vraiment être votre dernier reading. N'oubliez pas que vous êtes votre twin flame et que vous avez un pouvoir d'agissement sur la matière. Et c'est ça qui fait le plus peur au culte. C'est que vous puissiez comprendre à quel point vous êtes tous des sorciers et des sorcières puissantes. Et ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas à l'école que vous allez apprendre ça. Et vous ne descendez pas du singe, mais vous descendez bel et bien des étoiles. Ok, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Et tous les principes dont on a parlé, c'est applicable avec l'extérieur, mais aussi avec l'intérieur. As above, so below, as within, so without. Si vous changez l'intérieur aussi, tout l'extérieur va changer. Je suis vraiment content de ce reading, les caps. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir, comme si j'avais touché quelque chose là, et je me dis que si jamais vous cogitez là-dessus, j'espère, et que vous comprenez ce que le message que je voulais vous faire passer, il y a des grandes choses qui vont se passer dans votre vie là. Et après, bah, mon but, en fait, c'est pas que vous regardiez du tarot toute votre vie, ou que vous regardiez du Marie-Marthe tarot là, avec votre autre qui revient, qui se sépare de la tierce, qui arrive, qui vous aime et qui l'a. Enfin, chacun est là pour faire son truc, mais mon but, c'est que vraiment. Parce que quand on regarde du tarot de façon impulsive, quand on regarde tout ça, c'est toujours vouloir chercher qu'est-ce que l'autre il est en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire, les caps? C'est toujours vouloir chercher à savoir. C'est toujours, quelque part, vouloir tout chase, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous êtes vraiment fan de tarot et que vous kiffez ça, mais je parle pour ceux qui sont vraiment trop attachés à ça, pour ceux qui vont regarder des guidances tous les soirs, qui ont besoin d'entendre, qui sont seuls sur leur lit le soir et qui à chaque fois versent des larmes et tout. Vous devez retrouver votre pouvoir, vous comprenez, c'est très important ça. J'étais en train de me dire que, et merci les guides, c'est peut-être pour moi ça, quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. C'est vrai que j'ai des progrès à faire là-dessus. Et bien, en tout cas, c'est pour vous aussi les caps. Quand vous lancez la flèche de la vérité, trempez la pointe dans du miel. Une dernière chose aussi, mes amis Capricorne.
On va faire les choses bien. Ça pourrait être pour la carte de la force. Connaître les autres, c'est sagesse, la carte de la force. Hein. La carte de la force. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. D'accord? Le magicien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que on décrit, on dit en fait on montre en fait les vidéos sur YouTube où on montre les tours de magie en fait, ça, le tour de magie est mort. Magicien, quelle est la maxime qui pourrait se rapprocher à ça? C'est les guides qui vous passent les messages. Sagesse arabe, la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Tout ça pourquoi? Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, tous ces principes d'alchimie, dites-vous bien que toutes les personnes à qui vous en parlerez, vous n'aurez plus de pouvoir sur eux. Donc tout ce que vous êtes en train d'apprendre, cogitez là-dessus et surtout gardez-le pour vous. Devenez des grands maîtres d'alchimie. Devenez des grands maîtres d'alchimie. Le fait de parler, le fait de parler, c'est une sagesse arabe. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. C'est pas juste en fait le fait de dire qu'on a sauvé un chat dans la rue et on se vante avec tout le monde devant le bar. Ouais, j'ai sauvé un chat ce matin et toutes les filles font ouais, il est super. Non, ça pourrait. Et là, c'est la mort d'une bonne action au niveau karma. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. La mort d'une bonne action, c'est en parler. Tant que vous gardez ces principes et que vous les utilisez de manière consciente, alors vous pouvez les utiliser dans la vie de tous les jours pour avoir un pouvoir sur les autres. Mais si vous abusez de ce pouvoir, alors le karma va revenir vers vous. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Nous sommes liés par ce secret, mes amis Capricorne. Et une dernière chose maintenant, le Two of Pentacles. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Allez hop. Non, les guides me disent que c'est pas celle-là. J'étais en train de me dire, merde, je me suis trompé là. J'ai essayé de faire genre méchant, genre le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot. Et après, je me suis dit, voilà, maintenant tais-toi. Les guides me disent que c'est pas celle-là. Alors, c'est laquelle, les guides? C'est laquelle? D'accord, merci. Ah, voilà, c'est celui-là. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. C'est un peu une mise en garde. C'est un peu une mise en garde parce que si vous utilisez l'esquive pour attirer des gens vers vous, n'oubliez pas que ceci va se retourner contre vous, mes amis Capricorne. Donc, n'utilisez pas l'esquive. Et quelque chose me dit que l'esquive, si les guides, c'est vraiment peut-être aussi une grosse barrière énergétique sur laquelle vous devez travailler. Ça a été une protection pendant longtemps, mais on vous demande de vous séparer de cette protection, mes amis Capricorne. Putain, c'est une reading high level, hein? Franchement, vous devriez tous me cracher un PayPal pour ça, les Caps. S'il y en a parmi vous qui allez chez le psy, là, vous arrêtez vos séances et puis vous m'envoyez la différence. Je suis un crétin, je sais les caps, mais je vous aime, je me permets ça avec vous. Hein. Je sais qu'on peut déconner avec les caps. L'amour inconditionnel, le 2, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Donc ça, c'était pour rebondir encore sur ça. Et aussi, les guides me disent pour toi aussi, Jay, quand tu parles en mal des autres chaînes. Et alors que je les regarde moi aussi le soir, hein, voilà, j'aurais pas dû le dire. C'est juste parce que je suis jaloux, parce que j'ai pas autant d'abonnés, c'est ça. Les guides me disent, faute avouée, à moitié pardonnée.
Mais après, il faut vraiment que je travaille là-dessus et que j'arrête avec ça. Merci, merci. Et pour me punir, je vais aller m'abonner à toutes ces chaînes. Voilà. Donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression de vous avoir appris une grosse leçon, les caps, aujourd'hui, et que moi aussi, j'aurais appris une grosse leçon. On n'est pas bien sur Fast Tartaro, là. C'est vraiment. J'adore ce job. Enfin, c'est pas un job, parce que job, ça veut dire just over broke. Ça veut dire j'adore profession, quoi. Les guides me disent la ferme. Très bien. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. C'est exactement ça, mes amis Capricorne. Brah! What is love? But you are too good. Enfin bref, vous m'avez compris. Hein. Voilà les caps. Elle est tellement puissante cette guidance que je ne sais pas si je vais en faire une autre. Ou alors ce sera un petit peu plus tard. À plus les caps. Ça m'a fait super plaisir de passer ce moment toujours extraordinaire avec vous.